Eh bien, bienvenue sur le journal de la Web TV Cap Nord-Est de avril 2018. Aujourd'hui, au programme, nous aurons des informations du territoire, nous aurons des informations de la nature, nous aurons des informations sportives. Et tout de suite, nous regardons un petit reportage sur le carnaval. Tu fais comme moi. On ouvre les paquets et ensuite on y met le feu. C'est ça, ma queue. Bien sûr que c'est ça. Eh ouais, Patrick. Eh, regarde, il y a du monde en plus. Ouais. Et on va mettre comme un bras brûlé. Ouais, eh, Brad, c'est lui là. Ouais, c'est Brad. Bonjour, alors maintenant quelques infos sur le centre social intercommunal du Cap Nord-Est. Donc pendant les vacances, nous aurons des ateliers enfants-parents le vendredi 4 mai de 15h à 17h, donc à la Maison des Solidarités. Un atelier cuisine et jeux. Donc on cuisine, on joue et après on goûte ce qu'on a cuisiné. Et un autre atelier le mercredi 9 mai, pareil de 15h à 17h, un atelier jardinage. Donc devant la Maison des Solidarités, on va faire des plantations, un carré de jardin, etc. Et une autre information, alors les sorties familles de l'été, les inscriptions commenceront le 15 mai. Et les dates, ce sera le dimanche 8 juillet avec une sortie sur le chemin de fer de la baie de Somme. Une sortie le 22 juillet à Honfleur et plage l'après-midi. Une sortie le 29 juillet avec la visite du Bois des Aigles près de Verneuil-sur-Avre, le dimanche 26 août, le parc du Bocasse, et le 16 septembre, le festival de cerf-volant de Dieppe. Donc je répète, les inscriptions à partir du 15 mai à la Maison des Solidarités. Merci. Webcap Noré. Eh bien, merci Manu pour ces informations du territoire. Et maintenant, nous allons vous montrer un reportage sur le projet Voie d'eau qu'on avait parlé dans un précédent journal télé. Et donc là, notre équipe a été filmée dans les centres de loisirs, ce qui s'y est passé. Donc voilà, c'était un projet en partenariat avec le CIVU Cap Nord-Est, les centres de loisirs du territoire du PST Cap Nord-Est et la compagnie, la fameuse compagnie Itinéraire Bis. Donc on regarde ça tout de suite.
Oui, bonsoir. Donc moi, je viens vous présenter une animation tennis de table qui aura lieu le jeudi 3 mai à 18h30 au complexe sportif. Donc on va organiser un tournoi ouvert à tout le monde, donc aussi bien enfants, adultes, jeunes, hommes, femmes. Donc c'est un tournoi à handicap. Alors on appelle handicap, ça sera pour les moins forts, ils partiront avec des points d'avance pour équilibrer un petit peu les rencontres. Tout ça dans un esprit convivial et amical. Et donc l'inscription, on demande une participation de 2 euros et la durée approximative du tournoi durera 2h, 2h30. Voilà. Merci. Alors, merci à Yann pour cette information sportive. Du coup, j'en profite pour vous rappeler qu'il y aura bientôt la Nuit de la Chouette. Donc, la Nuit de la Chouette, c'est une animation gratuite qui est proposée par Naturellement Reuilly. Et donc, ça se passe le 19 mai 2018, bien sûr. Et ça sera à l'église Saint-Christophe de Reuilly à 20h30. Donc, je rappelle, le 19 mai 2018, la Nuit de la Chouette. Maintenant, nous allons voir un petit reportage sur une animation qu'on a proposée il y a quelques semaines, un bal folk, et donc où des gens sont venus danser et guincher peut-être sur de la musique folk. On regarde ça tout de suite. C'est une demande d'internautes qui nous regardent sur la web TV Cap Nord-Est qui nous disent mais ça doit être compliqué à faire du montage etc. Pour faire vos émissions de télé. Eh ben non, en fait on fait pas de montage du tout parce qu'en fait on tourne tout dans les conditions du direct et donc je vais vous montrer ça. Donc effectivement on a plein de lampes comme ça dans la tête et on a aussi des techniciens. Voilà, donc là on va passer sur les techniciens qui servent à faire le matériel et donc on voit qu'ils ont des ordinateurs, des tables de mixage audio, des tables de mixage vidéo, c'est un gros travail et donc à la technique on a Lucien et Martin tout le temps qui nous suivent et c'est aussi eux qui nous font les reportages la plupart du temps sur le territoire. Donc voilà, et ils s'occupent aussi des montages vidéo. Voilà comment toute cette web TV fonctionne. C'est pour ça que on vous donne les dates souvent de ce que, où est-ce qu'on filme et quand on filme, ça, pour que vous puissiez venir découvrir comment on fonctionne. Webcap Noré. Maintenant, vous savez comment est notre studio télé. Voilà, vous avez pu voir comment ça fonctionne. Et donc maintenant, on va se regarder un reportage sur le séjour ski ado qui s'est passé sur les vacances d'hiver de cette année. Voilà, où nous avons envoyé 42 jeunes. Bonjour à tous, nous sommes pas en direct, mais nous sommes au séjour de ski à La Toussuire, après 16 heures de bus, donc ça a été assez long, après un chaînage du bus pour pouvoir finir les derniers kilomètres pour qu'on puisse nous déposer jusqu'à l'entrée du chalet. On est enfin arrivé, on a passé une nuit assez courte, mais au final, le lendemain, il faisait super beau, on a profité du paysage, on s'est baladé dans la ville, et l'après-midi, on a fait une improvisation piste de luge, limite bobsleigh, et on s'est super bien amusé, et ce soir, on a bien mangé. On a fait une petite veillée, loup-garou et jeu de cartes. Et là, ça va être l'heure du coucher. Donc, je vous laisse voir tout ça en images. Musique.
it takes her to try. Expand your mind, don't let with. Alors une petite information sur la récolte des bouchons en plastique et en liège qui vont pour l'association 276 en ce qui concerne les bouchons plastiques. Donc la récolte a été bonne et vous pouvez toujours continuer à amener vos bouchons en plastique et en liège, soit au point accueil jeune, soit à la maison des solidarités, dès qu'on est ouvert, il n'y a aucun souci. Donc continuez à amener les bouchons, on compte sur vous et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Eh bien, c'est la fin de ce journal de avril 2018. Je rappelle que le prochain journal de la Web TV sera le 25 mai. Par contre, nous ne tournerons pas au point que jeune comme aujourd'hui. Nous tournerons à la salle Gérard Philippe, derrière la mairie de Gravigny. Pourquoi ? C'est parce que nous serons présents le lendemain, le 26 mai, pour le spectacle de théâtre du point accueil jeune de Gravigny, auquel j'invite tout le monde à venir voir le travail des différents groupes d'ados et d'enfants qui vont préparer ce spectacle. L'entrée est gratuite, c'est à partir de 20h et il y a de quoi consommer et à manger sur place. Voilà, et merci, et au 25 mai alors. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivons, une bière à la main. Nous sommes les mains sous la montagne, on creuse le jour, on voit la nuit, et on n'est pas sous la surface. Voyant que tout était foutu,
il prit la suite en suivant la rivière. Trou de mémoire, non, c'est pas... Non, non, je me suis chié dans les paroles. C'est le meilleur final. En vrai, en vrai...